Avec vous tous, de lancer cette première plateforme de formation online pour tout le monde en Tunisie. Alors, je suis très heureux pour beaucoup de raisons. Effectivement, ce sont celles qui ont fait que Orange Tunisie a participé à ce lancement. D'abord parce que c'est au cœur de notre engagement. Notre engagement d'entreprise responsable, d'entreprise solidaire. Pour permettre effectivement ce lancement d'un projet dans le domaine de l'éducation qui va finalement participer à l'éducation numérique des étudiants, en fait à l'éducation numérique de tous, partout, où qu'ils se trouvent. Je crois que c'est Orange Tunisie souhaite œuvrer dans le domaine de l'innovation, et je pense que là, on en est au cœur. Je crois que ce projet est né aussi de la collaboration de plusieurs équipes. Et c'est pour ça que je tiens à remercier tous les gens qui ont pu participer, à la fois l'Université virtuelle de Tunis, l'Université de Sfax, le consortium Claroline Connect, et je crois que nous avons mis en commun toute notre expertise dans le domaine du numérique pour effectivement aboutir à ce projet. Dernier point que je voulais évoquer sur les raisons, c'est que c'est un outil, on dirait, simple, puissant. Et je crois que grâce à ça, Orange Tunisie apporte aussi sa contribution à l'employabilité des jeunes étudiants, des jeunes diplômés, en les aidant à se mettre au niveau en français. Et je crois que vous serez tous d'accord avec moi sur le fait que la connaissance des langues est quelque chose qui est très important. Vous l'avez évoqué dans le cadre du soft knowledge dans les entreprises, et je crois que cette connaissance des langues est effectivement quelque chose de très important. La Fondation Orange, elle existe depuis 27 ans. Avant, c'était France Télécom, bien sûr, maintenant c'est Orange. Elle intervient à peu près dans 30 pays, à travers 16 fondations dans différents pays. Et de plus en plus, elle s'engage sur l'éducation, sur la formation, avec un focus particulier pour les femmes, les jeunes filles, c'est vrai, et avec un outil privilégié qui sont les technologies de l'information et de la communication, et d'une manière générale, le numérique. Pourquoi ? Évidemment, parce que le numérique et tout, c'est l'éthique, et permettent, sont un fantastique instrument de démocratie, je dirais, culturelle et éducative, parce qu'ils permettent de sauter les étapes, parce qu'ils permettent parfois d'apporter précisément ce qui manque. Et c'est donc un outil tout à fait exceptionnel. Donc, nous avons lancé, maintenant depuis quelques années, de nouveaux programmes, au fond, autour du numérique, autour de trois axes principaux. Le premier, c'est l'apprentissage, au fond, des technologies, du numérique, tout simplement. Le deuxième, c'est un peu les pousser vers les métiers du numérique. Et le troisième, c'est les apprentissages, au fond, par le numérique. L'apprentissage du numérique, on voit bien, c'est une certaine... Tous les jeunes sont nés dedans, donc c'est pas un problème, mais d'autres qui ne sont pas les digital natives, c'est une difficulté. Et c'est vrai que, par exemple, en France, avec nos salariés, parce qu'Orange est une entreprise où il y a beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité chez nos salariés, eh bien, avec 3000 salariés bénévoles, nous avons 2000 plutôt salariés bénévoles, nous avons ouvert 3000 ateliers dans toute la France après le travail, où ils reçoivent souvent, par exemple, des femmes en recherche d'emploi qui ont absolument besoin d'avoir une maîtrise du numérique pour précisément mener à bien cette recherche. Poussé vers les métiers du numérique, on voit bien que c'est aujourd'hui qu'on parle de l'avenir, et on voit bien surtout que beaucoup de populations parfois scolaires
qui ont un peu décroché, comme on dit, qui sont sortis des cadres traditionnels, eh bien, le numérique peut leur permettre, même sans diplôme, de se former et de trouver des emplois. Et l'an dernier, nous avons à peu près 7000 jeunes en France qui ont pu profiter justement de ce type de formation à travers un projet qui s'appelle les Fab Labs, je crois que c'est Fabrication Laboratory, et qui sont en généralement implantés dans des tissus universitaires et où on peut fabriquer, par exemple avec des imprimantes 3D, fabriquer des objets numériques et on peut ainsi récupérer des jeunes qui sont parfois déscolarisés et qui tout à coup acquièrent des compétences et qui tout à coup vont se retrouver avec des contrats en train de monter leur petite start-up. Et nous avons par ailleurs à Orange toute une politique de soutien des start-up du numérique. Et puis la troisième chose, c'est l'apprentissage au fond par le numérique. Et notre projet, un projet important pour nous cette année, ça a été la traduction et l'adaptation de la Khan Academy. Vous avez dû entendre parler de cette Khan Academy qui a été lancée par ce jeune Américain nommé Salman Khan, qui, pour faire découvrir les mathématiques à sa nièce ou je ne sais quoi, à sa cousine, a fabriqué des petites vidéos très simples qui permettent tout à coup, gratuitement, de comprendre comment marchent les mathématiques. Et nous avons décidé, en France, de traduire toutes ces vidéos, de les adapter gratuitement. Et maintenant, avec Bibliothèques sans frontières, et maintenant, 100% des programmes de maths, 75% des programmes de sciences sont ainsi accessibles gratuitement pour tous à travers notre adaptation à la Khan Academy. Ailleurs, hors de France, nous avons un autre grand projet qui nous tient à cœur, qui est au fond des kits, ce qu'on appelait le projet des kits éducatifs. Nous allons le lancer, nous sommes en train de le lancer dans 5 pays. Qui sont le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Niger, je crois. Attends, j'ai dû en rajouter un anglais, je ne sais pas. Mais il y a également la Tunisie, et nous en sommes évidemment tout à fait au début. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vois le ministre de l'Éducation nationale pour signer une convention pour lancer ces kits éducatifs qui consistent à avoir un ensemble de tablettes et puis un ou deux serveurs qui sont low cost, mais extrêmement commodes, qui ne nécessitent pas d'être branchés constamment à Internet. On peut mettre les contenus et ensuite partir où on veut avec. Et sur ces serveurs, on peut mettre, évidemment, c'est ce qu'on va faire, on travaille évidemment en étroite collaboration avec les ministères pour mettre les programmes des pays, parce que c'est ça qui compte, et on peut rajouter la Khan Academy, on peut rajouter Wikipédia, tout ce qu'on veut. Et au fond, avec un serveur, enfin, l'ensemble coûte 4000 euros, c'est pas quand même très cher, et on peut toucher chaque fois 300 élèves d'un coup. Et c'est un projet qui nous paraît tout à fait intéressant. Cérémonie de lancement de la première plateforme de cours massif ouvert en Tunisie dédiée à l'apprentissage de la langue française à distance. Je remercie nos partenaires français et européens en général pour leur soutien constant à la Tunisie. Je remercie également Orange pour cette initiative. Sans oublier l'Université virtuelle de Tunis et l'Université de Sfax pour avoir adhéré à cette action qui aura sûrement un grand impact sur la compétitivité de nos entreprises ainsi que sur l'employabilité de nos jeunes. De son côté, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle s'est engagé à multiplier les mécanismes de mise à niveau des compétences linguistiques des demandeurs d'emploi afin d'améliorer leur employabilité, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. À cet effet, un projet de formation complémentaire à distance des demandeurs d'emploi en langue a été déjà entamé pour faire bénéficier dans une première étape 2000 jeunes diplômés. Et puis des tuteurs de terrain, on les a appelés comme ça, qui doivent être pour nous des tuteurs qui maîtrisent bien la langue, qui sont capables effectivement d'accompagner les apprenants et d'interagir avec eux, de réagir avec eux, et donc de dire
Voilà, ces tuteurs de terrain, on va les sélectionner, ben, de préférence dans le monde du Master FLE, en fait des universités françaises, et donc on a sollicité effectivement les universités françaises pour fournir ces tuteurs de terrain qui vont donc accompagner les apprenants. Et donc,